Hey, salut les chatons, vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire encore une autre vidéo de pâtisserie. De la haute pâtisserie. Aujourd'hui, on va mélanger tous les cellos pour faire un gâteau anniversaire arc-en-ciel énorme XXL en cello. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui, plus ou moins. Si toi, tu aimes les gâteaux arc-en-ciel, lâche un gros pouce de like. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et maintenant, mais j'ai envie de faire ça, allez! On commence! Voilà ce qu'on a besoin pour faire le cello arc-en-ciel bonbon gâteau XXL. On a besoin du cello. Bien sûr, j'ai pris 7 couleurs. Je vais vous montrer avec 2 couleurs comment il faut faire. On a besoin d'un whisk ici, la gélatine et 2 trucs comme ça. De moules. Voilà. On commence avec le cello. Moi, j'adore tout ça. On a du lime, framboise, citron, feuille bleue, orange, raisin et fraise. On va faire ça avec la lime et framboise. Ça, c'est un bon mix. Step by step. C'est très, très, très facile. Vous pouvez faire ça à la maison facilement. Vous ouvrez le paquet. Ça sent tellement bon. Dans le bol. Pour chaque petit cello, j'ajoute un sachet de gélatine parce que je veux que ça soit un peu plus ferme, un peu plus dur. C'est ça qu'on fait là. Et on fait la même chose maintenant avec la lime. Ça va sentir bon. Ça sent bon. Un sac de gélatine en plus. Et maintenant, il faut ajouter 250 ml de l'eau chaude. Bouillante, chaude, un peu comme ça. 250, ça c'est 500, c'est la moitié. Et le reste ici. C'est un peu comme si on faisait du slime ensemble. On mélange. Et très facile, 250 ml dans chacun. Vous voyez, c'est super facile de faire la haute pâtisserie avec moi. Vous trouvez pas? Une fois quand votre mélange est prêt, vous prenez les moules, comme celle ici, et vous versez le liquide à l'intérieur. Très facile aussi, il faut juste faire attention de ne pas faire un dégât parce que ça, ce truc-là, ça colle un truc de dingue. Faites attention! Oui. Et la même chose pour la lime. On a terminé maintenant la préparation pour 2 cellos. Il nous reste 5 encore à faire. Je ne vous montre pas ça parce que c'est beaucoup trop chiant. Vous savez maintenant comment il faut faire. Ça, je vais mettre au frigo pour un minimum 2 heures. Et on se retrouve après avec les 7 cellos tout fait. Comme ça, on peut les mettre l'un sur l'autre. Ça va être très très bon. On en met ça au frigo. Doucement. 3 heures plus tard. À peu près. On a terminé. On a tous les cellos. Regardez comme c'est génial. Ça a vraiment gardé la forme. Trop bien. Alors, on a le violet, le bleu, le jaune, le rouge, l'orange, le vert et le rose. Regardez, c'est déjà en train de se décoller. On prend une assiette. Et voilà, c'est fait. Je vous ai dit, tout est facile en pâtisserie avec moi. Voilà. Maintenant, on va faire l'assemblage de notre gâteau. On commence avec le rouge. Je pense après, je mets le violet. C'est pas dans un ordre, hein. C'est mon arc-en-ciel à moi. Oh, c'est génial! Vous voyez ça? C'est cool! Trop bien! Et en plus, ça sent super bon. Pas mal, n'est-ce pas? Maintenant, on prend le bleu. C'est comme un gummy bear XXL. C'est comme un bonbon XXL. La même chose. Trop bien! Maintenant, on prend le vert. Il est génial, regardez ça. Déjà envie de manger ça. Regarde comme c'est ferme. C'est un truc exceptionnel. Sur le gâteau. Maintenant, je pense on continue avec le jaune. C'est une bonne idée. Viens ici, mon petit jaune. Ouh. Ça sent le citron. Si vous avez jamais bu un gâteau comme ça, lâchez un gros pouce de like parce que je trouve que c'est quand même vraiment génial. Regardez ça. Maintenant, le orange, c'est ça. Doucement pour pas les casser. Parfait.
C'est comme un Haribo XXL. Qui voudrait pas avoir un gâteau comme ça pour son anniversaire, hein? Et on termine avec le rouge. Où il colle un peu. Faut faire attention. Je pense qu'il va se casser. Oh non! Il pourrait se casser, regardez ça. Doucement. Ne te casse pas. Oh, 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 oh. Oh! Sauvé! Génial! Yeah! Maintenant, on fait la déco. On va le décorer avec quoi? Avec un peu de chantilly et des sprinkles. J'ai jamais entendu un gâteau qui parle. Écoutez. C'est pas génial? Wobbly, wobbly. Et regardez, on voit toutes les couleurs d'arc-en-ciel. Oh, c'est le meilleur gâteau à vie! Maintenant, la déco. Tout ça, c'est grâce à Karl parce qu'il m'a donné le cours. Hein. Je suis très reconnaissant pour ça. Merci. Et un au milieu. Et le reste pour moi. C'est vraiment bon. Et pour faire ça encore plus joli, un peu de sprinkles. Le gâteau est prêt, mais j'ai découvert quelque chose. Je vous montre. Regardez ça. On prend le téléphone et on allume la torche. C'est pas génial? Ha ha! Moi, je trouve que c'est un truc de dingue. Maintenant, il est translucide, kawaii, arc-en-ciel, cello, bonbon, XXL. Je sais même pas quoi mettre dans le titre. Ça va être un truc de dingue. Approchez-vous, action cinématographique! Youh! Goûtez ça. C'est comme manger un bonbon XXL de Haribo. Bon appétit. Si vous aimez les Haribo, c'est un truc génial. C'est vraiment bon. C'est comme manger un bonbon XXL de Haribo en gâteau. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Dites-moi en commentaire quel est votre parfum, votre saveur préféré. Vous avez tout ça ici. Merci d'avoir fait cette recette avec moi. C'était trop génial. Nous, on se voit samedi, la semaine prochaine, à 10h, pour une autre vidéo dans laquelle je fais ce que je veux. Et oublie pas, il faut pas rester sage.